De cette manière que le Seigneur va nous bénir encore de plus. C'est très important. Donc on a l'émission. Que le Seigneur nous pardonne parce que nous sommes arrivés en retard. Et qu'il nous bénisse. Amen. Et si tout c'est par la grâce de Dieu. Surtout nous demandons par la grâce de Dieu. Que même aux là. Même si tu es à la maison. Il faut ça attendre et attendre. L'écriture sainte, t'en as aussi à vous prier. Tu dois avoir ton temps de la lecture de la Bible et un temps de prière. Il faut savoir que notre vie d'abord c'est un combat, la zone est pour terre. Tu dois savoir d'abord que sur terre notre vie est un combat. Donc sur la terre, nous avons. Sur la terre, quand tu es là, la vie est un combat. La vie est un combat. Tu as un adversaire qui s'appelle le diable. Tu as un adversaire qui s'appelle le diable. Et. Ensemble pour te combattre. Il est là pour te combattre. Ceci n'a toujours entendu qu'il y a bien pour que ça m'a vie dans le. Sans souci, c'est d'empêcher les bonnes choses se réaliser dans ta vie. Maintenant, il faut le caquer au salve à vous qui si à l'autre pour que ça va. Tu dois faire en sorte que les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi s'accomplissent. Le chemin que le Seigneur a baissé, c'est la prière. Le chemin que le Seigneur t'a donné, c'est la prière. Par la prière, on peut changer ma situation et bénir. C'est par la prière que tu pourras changer certaines situations de ta vie. Je te dis, vraiment, c'est ça la parole. Je te dis, c'est ça la parole. Et par la prière, on peut dire qu'à la debout devant les tentations. Dans la prière, tu te tiendras debout face aux tentations. On va la faire péter devant le péché. Tu ne seras pas faible face au péché. Et on peut sentir que sentiment dans nos âmes, sentiment à Jésus-Christ. Tu vas sentir au plus profond de toi que tu auras les sentiments de Jésus-Christ. Parce que Philippiens 2 nous dit. Parce que Philippiens le chapitre 2 nous dit. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. La Bible nous exhorte à dire ayez les sentiments qui étaient en Christ. Je sais que le Seigneur veut. Je sais que le Seigneur veut. Je répète cela parce que votre moussou basana nzela pour le bayaka église, mais à ceux qui s'attendent à bamba. Il y a certaines personnes, ils viennent à l'église, mais ils perdent leur temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout le temps ses pensées les a tournées vers le mal. Parce que leur pensée est toujours tournée vers le mal. Mais à ceux qui consomment bien. Mais ils se consomment. À ceux qui les font, ils mangent mon en a bien. Un son extérieur paraît bien, c'est comme si c'était un bon frère et une bonne soeur. Ah mon ami, frère, madame, soeur, madame, c'est ça son effort. C'est ça son effort. Il travaille sur son extérieur. Il travaille par rapport à l'extérieur. Par rapport au sens de l'environnement. Mais son intérieur. Mais son intérieur. Le diable a son malmené. Le diable a bien pris le contrôle, la possession de son intérieur. Oh, c'est là. C'est ton intérieur qui doit avoir la sainteté. Mais entre temps, au moment que ton intérieur, la sanctification est atteinte, tu constates que dans ton intérieur, il n'y a pas la sanctification. Mais vous allez, mais tu es très qui te force à vous aller bien par rapport à l'extérieur. Tu es en train de travailler sur ton extérieur. Donc, aux hommes qui s'attendent pas. Tu es en train de perdre ton temps pour rien. Pour vous allez un salaire à ma vie à la fin. Parce que tu auras un mauvais salaire. C'est lui qui a rémunéré Michel. Notre rémunérateur. Il sort de les cœurs et les reins. Il sort des cœurs et des reins. Aïe, dit ton état intérieur. Il connaît ton état intérieur. Au moins, on balance. Tu peux prendre la balance. Aïe, dit tes limitations. Mais Dieu connaît ce que tu lui dis de plus profondément. Mais pourquoi aux hommes se détruire par ma peau? Pourquoi tu te détruis vainement? Parce que c'est Dieu qui doit payer. Parce que c'est Dieu qui doit te payer. Et ce Dieu-là, il voit ton cœur. Et ce Dieu-là voit ton cœur. À ce moment-là, ma camionne sur le salatan, mon saillot, mon païen. Dieu voit les choses que tu fais dans le secret. Aïe. Il connaît tout. Mais on reçoit une forme. Tu peux prendre l'apparence et que tu peux faire. Quelqu'un peut dire que Dieu t'a fait. Quelqu'un peut dire que Dieu t'a fait. Quelqu'un peut dire que mais ce n'est pas ça, on a toujours un salaire d'ailleurs. Ça, c'est Dieu de recevoir le salaire des hommes. C'est les hommes. C'est les hommes qui t'apprécient. Mais Dieu,
de Dieu. Et il va te juger mal. C'est pourquoi tu dois prendre la décision. Il faut que mon intérieur. Et il faut que mon intérieur. Est soit saint. Il faut que ma vie vraiment pense au bien. Ma vie, je dois commencer à penser toujours au bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, ça va toujours ma vie, mon mot. Attends, je sais comme ça. Je dois avoir une vie, même si je n'ai pas. Attends, ça va. Même si je suis. C'est ce que Paul a dit. C'est ce que Paul a dit. Priez en tout temps. Il a dit priez en tout temps. Ton esprit doit être en prière. Ton esprit doit toujours être en prière. Il faut y envoyer ça vraiment. Désir, n'ayons. Cette chose d'être un désir dans ton. Dans notre Proverbe 14, verset 1er, hein? Je prends Proverbe 14, verset 1. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Comment les aider sont la femme? Vous voyez deux sortes de femmes. C'est la vie qu'on trouve sur la terre. C'est la vie que nous trouvons sur la terre. Parce que nos femmes sont sages. Nous voyons les femmes sages. Son souci à bâtir sa maison. Son souci c'est de bâtir sa maison. Donc il pense au bien. Cette femme pense au bien. Femmes insensées. Et la femme insensée. Rôle à renverser sa maison. Son rôle c'est de renverser la maison. C'est deux sortes de personnes. Il y a deux sortes de personnes. On te poursuit ça, attaché toujours. Il y a un homme à la vie. D'autres personnes sont attachées à la vie, aux bonnes choses. Il y a s'attaché à mon à des bonnes choses selon les Seigneurs. Ils s'attachent aux bonnes choses selon les Seigneurs. Et mon souci, vous voyez. D'autres personnes aussi. Non, mais ça passe pas. Pour lui, ça passe. Si fin à son apparence. Moi, je dois seulement prendre l'apparence. Mais on continue toujours qu'on détruit sa propre maison. Mais il continue toujours à détruire sa propre vie encore sa propre maison. La propre maison d'abord, c'est ta propre vie. Parce que ta propre maison, c'est ta vie à toi. Tu peux bâtir ça. Tu peux bâtir ta vie. Fais comme il très bien. Yoko. Tu peux aussi renverser. Et on va renverser à côté. Tu peux aussi renverser ta propre vie. C'est l'homme de nos autres. Par rapport à la façon dont tu conduis ta vie. Yoko. Amen. Pas une autre personne, mais Yoko. Pas une autre personne, mais c'est toi-même. Quand tu es devant le téléphone la nuit, quand tu es devant le téléphone, tu fais quoi avec les téléphones? Tu fais quoi? Tu rentres dans quel site? Au compte à la maison qu'on dit nos otages. Tu cherches quoi dans les internets? Est-ce qu'on a construit ta maison ou qu'on a détruit ta maison? Est-ce que tu construis ta vie? Quand on se là, tu penses à quoi? Quand tu dors, tu penses à quoi? Au moins, il y a un peu de la salaire pour qu'on a détruit ça dans ma propre vie. Par là, tu sauras, moi, je suis en train de détruire ma vie. Je suis le destructeur de moi. Quand tu peux dire que non, non, nous allons construire. Quand tu peux dire aussi, je suis le constructeur de moi. Crains Dieu. Tu dois craindre Dieu. Paul avait dit Maranatha. Paul avait dit Maranatha. Christ est venu. Il faut prendre ta vie aussi. Tu dois prendre ta vie aussi. Et tout à l'heure, que. Nous avons montré. Au milieu des saints, ma plaisanterie, ça va t'attendre. Ce sont des choses sales. On avait dit au milieu des saints, on doit trouver au milieu de nous des plaisanteries. Ce sont des choses sales. Et légèreté. Il engendrera toujours ma vie, mon corps très légère. Cela engendre une vie légère. Et chrétien, lui, va trouver la carte d'un des paroles de grâce. On dit qu'on doit trouver au milieu de nous des paroles de grâce. C'est ça la recommandation du Seigneur. C'est ça la recommandation du Seigneur. Et le condamnant se forme, c'est. Toutes choses, tu dois toujours t'exercer. T'as besoin de sentir ma carte d'un des paroles légères. Quand tu constates dans ta vie, il y a des paroles légères. Cela veut dire que tu n'as pas la vie de prière. Cela veut dire que tu n'as pas encore atteint une vie. Entre dans la vie de prière. Tu dois commencer à vous prier. Au bout de même, la vie est jeune et tu pries. Tu peux rentrer dans une vie de jeûne. Le Seigneur va vous sanctifier. Tu verras, le Seigneur va commencer à te sanctifier. Il faut vraiment, aux années, ce qu'on appelle la circonspection.
Tu dois t'examiner toi-même. C'est très important. Tu dois analyser, je vais où? Est-ce que du moment j'espère quelque chose de bon? C'est très important. Il faut dire que le monde passe avec sa convoitise. Tu dois savoir que le monde pense que sa convoitise. Et on se sent dans les yeux. Toutes les choses que tu vois là, Prends au sérieux ta vie. Il faut dire que Dieu a distribué les dons spirituels dans l'église. Tu dois savoir que Dieu a distribué les dons spirituels. Hein. Ces dons, ils ont pour la utilité commune. Ces dons-là sont pour l'utilité commune. Mais quand je vois dans un église, je ne vois pas de manifestation de l'esprit en moi. Quand je suis dans l'église, mais je constate en moi, il n'y a pas la manifestation. La première chose, par la grâce de Dieu. Hier, je vous ai donné par la grâce de Dieu. Romains 5, verset 5. Dieu répand par le Saint-Esprit dans mon cœur son âme. Dieu répond par le Saint-Esprit dans notre cœur, son âme. Il faut se demander, est-ce que vraiment j'ai l'amour de Dieu? Je dois me poser cette question, est-ce que dans mon cœur j'ai l'amour de Dieu? Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Parce que l'amour de Dieu consiste aussi à garder ses commandements. C'est ça la première question pour ce point. C'est ça la première question. L'Écriture dit ça. Mais est-ce que quand le Seigneur a dit que ne fais pas l'impudicité? Lorsque le Seigneur dit ne faites pas l'impudicité, est-ce que je m'abstiens? Qu'on médite ma mauvaise pensée. Est-ce que je médite toujours mauvaise pensée? Est-ce que vraiment nous avons s'abstenir? Est-ce que je suis en train de m'abstenir? Aux autres, la scène du Seigneur est là. Tu regardes à ce point. Vous avez la vie à duplicité. Ne vis pas dans une vie de duplicité. Parce que nous avons la face, nous sommes les mêmes, mais nous avons face. Tu sais que j'ai l'autre face, que tu as deux faces. C'est comme ça que tu dois vérifier si tu as l'amour de Dieu. C'est alors que tu verras si tu as l'amour de Dieu. Si tu gardes les commandements. Si tu gardes les commandements de Dieu. Ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Est précieux pour nous. Est tellement précieux pour toi. Il y a une Bible qui dit fais de l'Éternel tes délices. C'est pourquoi la Bible déclare fais de Dieu tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc c'est que lorsque tu entres lorsque je suis au milieu des païens, quels sont les propos que je tiens souvent? Je ne comprends pas. Est-ce que je ressemble aux païens lorsque je suis avec les païens? Dans toute vie à l'injecter. Est-ce que j'ai des propos? Il faut faire des analyses. Il faut faire des analyses très avant. C'est très important parce que vous ne rien là. Parce que la personne qui connaît les profondeurs. Quand tu vois que ces choses sont mauvaises, mais tu vis ces choses, prends la décision. Rejeter toute cette nature. Tu dois rejeter toute nature de péché. Linga au vivre la nature de Dieu. Tu dois désirer vivre la nature de Dieu. Il y a une chose aussi dans ta vie. Il y a une chose que je t'ai montée. Tu peux avoir le désir de la prière. Mais au niveau de la sens de la tête, tu ne parviens pas. Quand tu veux prier, mais tu ne parviens pas, tu sens la lourdeur. Cherche à demander secours. Tu dois chercher le secours contre ton personne. Bien, notre frère, à sa médiane pour elle. Tu peux y appeler un bien-aimé. Quand tu ne parviens pas à prier. Quand tu ne parviens pas à prier. Et aux autres, la garde des moines. Pour l'amour que tu ne pries pas, la journée ton esprit n'est pas prière, la journée ton esprit n'est pas. Sache que c'est le diable te prépare au côté à la suite. Sache que le diable te prépare pour te conduire dans une vie de suivre. Pour le côté de la suite, il faut retirer prière, diable prière. Pour te faire rentrer dans une vie de suivre, il doit d'abord te ravir la vie de prière. À propos sur ma préoccupation, nous sommes apparemment pésamiens. Il va te donner des préoccupations. Tu seras tellement préoccupé, je te dirai c'est bon ce que je fais. Donc, on s'est dit, non, non.
Je suis très occupé à travailler dans sa chambre. Moment, je suis tellement occupé, j'ai tellement de responsabilités. Et Dieu a dit, il va tout se faire au bas. Mais ça, on dit que nous n'avons pas, maintenant, nous n'avons pas. Comme certaines personnes disent, celui qui ne travaille pas ne mange pas. On dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et ça, c'est quoi la tête? Ce n'est pas comme ça. Verset 1, celui qui ne veut pas travailler. Le verset dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Ne mange pas non plus. Alors, il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. On n'a pas dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, il dit celui qui ne veut pas travailler. On dit celui qui ne veut pas. Donc, le niveau le bas, travail et ça. C'est que le travail, il est. Mais à Boy, il a refusé. Celui-là ne mange pas non plus. Celui-là ne mange pas non plus. Dès Thessaloniciens chapitre 3. Dans ce temps, je le lis. À partir du verset 1. J'ai le nom de Jésus-Christ. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. C'est comme ça la nature de celui qui veut vivre la pureté. C'est ça la nature de celui qui veut vivre. Il demande secours. Il demande le secours de notre frère. Priez aussi. Priez aussi. Parce qu'il y a un bateau et un basali à méchants, mais à contre la parole, parce qu'on combat. Parce qu'il y a des méchants qui sont là, qui nous combattent. Quand il y a une situation où ils ont si batté, demande secours. Lorsqu'il y a une situation qui ne marche pas, demande aussi le secours. Mais Dieu vous bénisse. Amen. On va trouver, quand on va trouver normal. Je veux voir que quelqu'un se sent normal. À la rata. Il dort. À la montaca. Il se réveille. À son papier, à ta soeur, je dis. Il ne reçoit même pas des sangs de ce temps. Oh, les sangs, c'est aussi la promesse. Alors que le sang fait partie des promesses. Mais il est très à l'aise. Il est très à l'aise. Donc Dieu avertit par même les anges. Dieu nous avertit même dans les anges. Et Dieu aussi à l'accident, mais il est même par les anges. Je vous révèle beaucoup de choses dans les anges. Si Jésus-Christ avait été protégé, c'était par les anges que le Seigneur avait repris à Joseph. Si Jésus-Christ, notre Seigneur, était protégé, c'est à cause du sens que Dieu avait donné à Joseph. Donc, Joseph. Lorsque Joseph. Le mari et l'époux de Marie. Alors le prophète à ma songe. Il était un prophète. Sauf qu'à l'aïe, le Seigneur a eu au bas. Lorsqu'il dormait, c'est alors que le Seigneur venait réveiller. Mais ici, prend le fils et sa maman, sa mère, au qui va les chercher. Il prend le fils et sa mère, allez en échange. Qui avertit par les songes. Je suis averti aussi par les songes. Qu'on méprise la famille de la terre. Il ne faut pas mépriser ces choses. Joseph fut élevé par les songes. Joseph fut élevé par le songe. Quand on a vu l'explication. Lorsqu'il a reçu l'explication. Daniel aussi les mêmes. Comment on a envoyé la légitimité. Il ne faut pas mépriser les anges. Et nous tous nous sommes à la zone là. Notre personne peut plus dormir. Allons-y. Mais dès qu'il y a l'amour qui vient sur nous. Dès qu'il se réveille, il perd tout le songe. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il est à l'aise. Ce qui est curieux, il est très à l'aise. Il commence sa journée normale. Il ne comprend pas le mouvement spirituel. Il ne comprend pas le mouvement spirituel. C'est le diable, mon gars, qui me se sent. C'est le diable qui est venu te voler ce songe. Il faut, et là, on a fait une mission au Sauranaïe, afin qu'à Fongolé, là, il y a un mot d'avantage. Tu vas dire à Dieu de te révéler le songe que tu as perdu. Dans un continent, dans notre travail, dans verset 3. Je lis toujours le verset. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Ah. Nous avons à votre égard cette confiance. Dans le verset 3. Dès Thessaloniciens chapitre 3. Dans le verset 4. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites. Et que vous ferez les choses que nous recommandons. C'est ça, confiance à ce serviteur. C'est ça, la confiance. À César qui perd.
Il dit que le peuple fasse les choses que nous. Que le Seigneur dirige ton cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Dieu bénisse. Amen. Il faut que ton cœur soit dirigé vers l'amour. Ton cœur doit être dirigé vers l'amour. Ton nom sera l'amour. Tout ça, la maison doit garder ce que Dieu dit. Tu dois être une personne qui garde ce que Dieu dit. Nous vous recommandons, frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'annissions les droits, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. C'est ça le texte. Donc le travail est là. Le travail est là. Mais il ne veut pas travailler. Mais la personne ne veut pas travailler. Mais si le travail est à la montée. S'il n'y a pas de travail. Si ton frère manque quelque chose, si ton frère il faut lui donner. Il faut le donner. Et ça dit que le frère manque à sa montée. Ce n'est pas que quand on se pense que le frère manque, il n'a pas de travail. C'est donc il y a des moments qu'il est, vraiment qu'il est. Sauf à tout le monde, c'est bon. Quand on te demandera le verset, tu ne verras pas le verset, il faut appuyer sur ça. Et c'est pourquoi Paul a dit que mes mains ont pourvu pour l'évangile. Il a dit mes mains ont pourvu pour l'évangile. J'ai aidé aussi plusieurs. J'ai aidé aussi plusieurs. C'est ça la vie de la parole. C'est ça la vie de la parole. Et Dieu bénisse. Amen. Et quand on est en train d'aider un frère, lorsqu'on est en train d'aider un frère, mais par une autre personne, et après, ça va être objet de méprité dans l'église. Que cela ne soit pas un objet de mépris. Amen. Amen. Parce que vous avez des tels, vous avez des tels. Parce qu'on est des tels, des telles personnes. Donc, combien vous méprisez ces croyants? Tu commences à mépriser ces personnes. C'est un temps. C'est un temps. Vous voyez bien venir dans ma mode. Je ne connais pas la venir de ces gens. Je vais demander que tu vois qui est. De demander ça. Ne pense pas que ça point à vie dans ma main ici. Non. Ne crois pas que leur vie a pris le temps. Non, bien aimé. Non, bien aimé. La vie appartient à Dieu. La vie appartient à Dieu. Sans venir, il est venu. C'est Dieu qui connaît la vie de tout en chemin. Qu'on méprisera quand vous quittez. Il ne faut jamais mépriser les gens. Dans ce chemin. Dans ce chemin. Qu'on méprisera quand vous quittez. Il ne faut jamais mépriser les gens. Le Seigneur a besoin de la poussière. Je vais prendre quelqu'un de la poussière. Attiré parmi les grands. Le faire soin parmi les grands. C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Puis se faut honorer tout celui qui croit. Il faut honorer tout celui qui croit. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Quoi honorer ton frère, honorer ta sœur. Tu dois savoir honorer ton frère et ta sœur. C'est très important. C'est tellement important. Pour imiter le monde de terre. N'imitez pas ce monde. La façon d'avoir orgueil. La façon d'orgueil. Mais toi sois humble. Toi sois humble et facile. Et ça a aussi l'amour. Tu dois avoir l'amour en toi. C'est très important. C'est très important. Et c'est ce que Paul a vu ça à Thessalonicien. C'est ce que Paul disait au Thessalonicien. Il priait en fait que l'amour de Dieu soit dans la cathédrale. Pour que l'amour de Dieu soit dans le partage. Même si tu vois un frère, il n'a rien. Même si tu vois un frère, il n'a rien. Frère, mon sous, soeur, mon sous, il faut le respecter. Un soeur, frère, il faut le respecter. Vous savez bien qu'il ne vous respecte pas, la besoin d'un bon. Il ne faut pas attendre le jour où il y aura beaucoup d'argent, c'est alors que tu commences. Moi, je dis ça, nous s'approchons auprès du frère. Ce qui fait que nous s'approchons du frère. C'est d'abord la nature divine. C'est d'abord cette nature divine. C'est cette nature que j'aime. C'est cette nature que tu l'as aimé. Et j'aurais aimé Pétain pour Nazareth.
édifié. Je vais faire en sorte que tu sois aussi édifié. C'est ça la vie du Seigneur. C'est ça la vie du Seigneur. C'est très important pour les peuples de Dieu dans ta marche. Dans la marche. C'est très très important. C'est très important. Et croyez ma profession d'ailleurs. C'est comme on s'est dit. Pour mieux avancer. Pour mieux avancer. Vous avez mon frère, t'es qu'à la province, on a dit 10 000 francs. Il ne faut pas t'attacher à un frère. Mais si on a de l'autre côté, quand tu vois, on a la grâce. Attache-toi à lui parce que si tu vois, il y a une grâce. Une grâce. Une grâce. Et voyez ma profession d'ailleurs. Cette grâce peut être aussi. C'est très important, je dis. Très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la vie des enfants de Dieu. C'est la vie des enfants de Dieu. Pour les avis contraires à la vie du monde. C'est une vie contraire à la vie du monde. Dans la vie des enfants de Dieu, nous voyons des grâces. Dans la vie des enfants de Dieu, nous voyons des grâces. C'est très important. C'est très important. Parce que la grâce est sous la caille, et bat la caille, et pour tout le monde, c'est davantage. La grâce nous aide, nous protège et nous aide. Que Dieu bénisse. C'est très important. C'est très important. Parce que la grâce, tout quand le Seigneur nous oriente. J'aime ce que le Seigneur nous oriente. Tout ce que je dis, je n'ai même pas médité sur ça. Tout ce que je dis, je n'ai pas médité sur ça. C'est au nom de Jésus que je l'ai dit. Amen. Je l'ai dit au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que je l'ai dit. Amen. Je n'avais même pas mon pensée à prendre le livre avec sa mission. Mais c'est le Seigneur qui m'a mis ses charges là dans le livre. Je n'avais pas cette pensée, c'est le Seigneur qui m'a dit. Dieu, mon cœur. Je connais le cœur. Moi, je ne le sais pas. Moi, je ne connais pas. Dieu connaît. Il connaît vos cœurs. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les mains. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les mains. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est que nous tombons un peu sur les trois présentations dans l'année. Nous sommes en train de marcher sur les trois présentations dans l'année. Il y a mon Nathan et Sakibino aussi. C'est pourquoi je vous avais montré ceci. Que l'année qui était avant, où les amis comme Moïse. L'année qui était avant, qui était Moïse. Macaronio sur Moïse, en tant qu'on est né en haut. De la marche de Moïse. Il n'y a pas tout simplement, ils attendent dans les amis, l'année appelée Jésus. La marche de Moïse, c'est fait que l'ombre de l'année appelée Jésus. C'est ce qui est total Israël. C'est ce qu'on avait montré. L'année d'abord, Nathan sur les pluies. Je voulais d'abord montrer sur les pluies. Dans pluie, il y a arrière saison. La pluie, il y a première saison. La pluie de la première et de l'arrière saison. Parce que c'est vraiment difficulté dans la compréhension parfois des bâtons. Parce qu'il y a des difficultés dans la compréhension de certaines personnes. Il faut y avoir que la Bible n'est pas envoyée. Tu dois savoir la Bible telle qu'elle est. N'est pas envoyée. Et qu'elle est là. Et ça, le verset de Kamouya, Adam premier, c'est Adam dernier. La Bible nous parle de Adam premier et Adam dernier. Il y a moins de fois aussi, pas d'abord. C'est ce que tu dois saisir. Donc, Bible, toute la Bible. Il y a Adam premier, c'est Adam dernier. Toute la Bible nous parle de l'Adam premier et de l'Adam dernier. Maintenant, le Seigneur a utilisé la répétition à plusieurs manières. Il y a Adam premier, na Adam dernier. Et Dieu utilise de plusieurs manières, de plusieurs reprises, l'Adam premier et l'Adam dernier. Na kati Adam premier, tous les hommes ont aussi Ève première. Dans l'Adam premier, nous avons aussi Ève première. Et l'Adam dernier, tous les hommes ont aussi dernière Ève. Dans l'Adam dernier, nous avons aussi Ève première. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand Dieu a donné à Adam na Eden, lorsque le Seigneur était avec Adam dans le jardin d'Éden, il avait donné la parole. Quand Adam a péché, et quand Adam avait péché, Adam a donné comme premier né de Dieu. Adam était comme le premier né de Dieu. Donc comme fils premier. Comme le fils premier de Dieu. Parce que fils premier va même avoir comme la tête. Parce que le fils premier, on l'appelle la tête. Il y a beaucoup de monde, il y a un fils. Si vous voulez le voir, il y a un fils. Il
La femme de distinction. Dans le même pour rejoindre son père. Lorsqu'il est allé rejoindre la champ, le champ. Aïe, il y a un problème de tête. Elle dit ma tête. Je lui ai un problème de tête. Il disait ma tête. Alors il dit mon dos. Il n'avait pas dit mon dos. C'est la tête de Mélaki. C'est la tête qui était malade. Mais papa n'a pas dit que vous soyez mon ne vous tiquez pas maman. C'est alors que son père, le père a dit prévenir. Et ça va être significatif. Je prends son nom. C'est la tête de Mélaki souffrir. C'est la tête. Il souffrait de la tête. C'est la dévocate. C'est la dévocate. La tête ne devait pas souffrir. Il souffrait de la tête. Après, corps, nion, souffre. Et tout le corps était mort. Tête, voilà. La tête, c'est là. C'est là. Amen. Vous avez la Bible, les amis. Je suis dans un monde. Lorsque Azaria. Cela veut dire tout le corps est couffi. Cela veut dire que tout le corps était mort. Il y a mon par rapport à Adam. C'est pourquoi par rapport à Adam. Les chemins de la vie, ils allaient qui fermer. Le chemin de la vie était fermé. Dieu a présenté qui dans Genèse 3. Les deux chemins qui tenaient les pères flamboyants. Eux, ils allaient qui opérissaient la porte, il y a chemin, il y a arbre de vie. Il y avait deux chemins qui tenaient les pères flamboyants pour s'accuser l'arbre de la vie. Par rapport à Adam, chemin de la vie était fermé. Par rapport à Adam premier, le chemin de la vie était fermé. Donc cela veut dire, quand le Seigneur mena Aïe au père d'Israël. Lorsque le Seigneur est venu auprès d'Israël, Aïe dit Israël. Il a dit à Israël comme ceci. Et pas une amène à son mari la première. Moi l'Éternel, je ne prends que les premiers. C'est le premier qui m'a battu. Moi, le premier-né m'appartient. Oh, par rapport au monde. Par rapport au monde. Dès que tu vas se multiplier. La façon dont les gens se multiplient. Premier-né, c'est bien Adam. Le premier-né, c'est Adam. L'autre, la croix est qui? Le fait qu'il était tombé. Tout le monde côté, on le sait, ça. Athée. Il n'y avait pas une personne que je ne pouvais prendre. C'est pourquoi quand tu sais qu'il doit avoir. C'est pourquoi il avait instauré cette loi. Pour la montagne, il sait qu'il y a un homme sur la terre. Pour dire que dans les hommes sur la terre. Il n'y avait pas un homme qui pouvait prendre. Il n'y avait pas cette loi que lui-même prenait. C'est pourquoi il avait instauré cette loi que lui-même se voulait prendre. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il croyait à temps. Il croyait à temps premier. Il y a mon Paul a compris. C'est pourquoi Paul avait compris. Athéine a remis trois. Il a prêché dans Romains 3. Paul a compris dans Athéine a remis trois. Paul a compris, il a prêché dans Romains 3. Parce qu'il faut qu'on comprenne le point que Dieu dit. Les gens doivent comprendre l'écriture de Dieu. À partir du verset 9, j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Quoi donc, Romains 3, verset 9, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous la pire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Ça, il parle par rapport à Adam. Là, il parle par rapport à Adam pour lui. Mais nous avons vu Abraham était juste. Nous avons vu Abraham était juste. Isaac était juste. Isaac juste. Jacob était juste. Jacob était juste. Il y avait aussi des hommes bien par rapport à Adam. Il y avait aussi des hommes bien. Mais ici, Paul annule ça. Mais si Paul annule, il dit qu'il n'y avait pas des hommes juste. Donc, si là, il dit dans sa parole par rapport à la transgression d'Adam. Il parlait par rapport à la transgression d'Adam. La raison expliquée par le président.
premier, et ils sont rapidement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 1.2. Amen. Tous dans un enfermé, tous sont enfermés. Mais par nous de la justifier, dans le moyen de la grâce qui est par Christ. Et tous sont justifiés par la grâce qui est en Christ. Remarquez. Remarquez ceci. Quand vous voyez dans l'air, Israël a eu un qui dans le désert. Au temps où Israël avait eu la famille dans le désert, le Seigneur a initié. Le Seigneur a initié. A initié Moïse. Il a dit à Moïse. Il a dit à son peuple. Je le peuple d'Israël. N'a copé sa maman, maman. Je leur donnerai les pains. Mapa ya likolo. Les pains d'en haut. Alors, il est Exode 16. Exode chapitre 16. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 16. À partir du verset 1er. Toute l'assemblée des. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de l'île. Et ils arrivèrent au désert de Tsin, qui est entre l'île et Sidon. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Voilà, voilà, moi. Il fera pleuvoir du pain. Ok. Il fera pleuvoir du pain pour vous. Du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. Et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël. Les Seigneurs ont bien la sauvé, ça va faire peine. Mais il y a un moment donné, parce que ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car, que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Moïse, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. Ça va être ce qui est plein. Vous allez avoir la gloire. Vous n'avez pas d'abord du pain. Maintenant, il est à côté. Va dire au peuple qu'elle a coupé sa peuple du pain. Je leur donnerai du pain. Il est en train de le dire d'ailleurs. Cela dit, la santé dit que ton pain en est dans la deux choses. Vous voyez que dans ce pain, il y avait deux choses dans le pain. Quand vous avez compris, lorsqu'il est sorti de l'eau, vous comprenez que Dieu est grand. Vous comprenez la gloire de Dieu, vous allez parler l'eau. La gloire de Dieu se produit ce soir. Ce soir. Il vous donnera de la joie. Il vous donnera de la joie. Et au matin. Et au matin. Vous aurez la main. Mais vous avez dit qu'on ne vous a pas dit. Et quand tu lis au début, le Seigneur avait dit ce qu'on a dit. Mais la parole que le Seigneur avait dit. La parole que le Seigneur avait dit. Vous avez dit qu'on contenait toutes ces choses. Dans cette parole, il y avait le pain et la joie. Que Dieu vous bénisse. Cette parole est sortie de Moïse. Parce que le Seigneur. Parce que le Seigneur. Parce qu'il a un mystère. Il avait un mystère. Qui arrangeait ici. Il y avait un mystère que Dieu préparait.
Et on aura tout un enseignement. Ce sera tout un enseignement. Pourquoi? Parce que le premier mois. Parce qu'au premier mois. Les camarades savaient ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça va qui? Pas qui a assez. Ils avaient célébré la Pâque terrestre. Assez. Donc, le premier mois. Le premier mois. Et 14e. Le 14e jour. Donc, bah, premier. Ils ont tué. Maintenant, à partir du 15e jour. À partir du 15e jour. À partir de lire les pains. Ils ont commencé à manger le pain. Selon la prophétie. Selon la prophétie. Maintenant, à présent, second mois. Mais si c'est au second mois. Au second mois. Maintenant, Dieu retire deux mois encore. Dieu retire encore deux mois. Ouais, il me sera un mois, le premier mois, le deuxième mois. Maintenant, le Seigneur joue moi à sa vie, Pâques, Nicolo. Et ce jour-là, Dieu a fait la Pâque en haut. Il a quitté ici maintenant la viande. Il a fait tomber du ciel la viande. C'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Après, on a découvert sa maman aussi des pains, la manne. Il a commencé à donner aussi la manne, les pains au peuple. Pendant 6 jours, et puis 7 jours. Le 6e jour, le peuple prenait tout. Le 6e jour, le peuple prenait tout le portion. Effectivement, ton monique est outil du colo. Effectivement, nous voyons que le pain descendait du ciel. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Parce que l'Éternel avait dit. Parce que l'Éternel avait dit à Moïse. Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Je ferai pleuvoir pour vous du pain. Or, Jésus-Christ joue à cette fin. Or, Jésus, le jour de cette fête. Il avait pris un pain. C'est ma chair. Il dit que ce pain, c'est ma chair. C'est la viande. C'est la viande. Amen. C'est pourquoi Moïse, quand j'avais dit par lui, maintenant il n'a jamais sa pain. C'est pourquoi Moïse, quand j'avais dit que j'avais dit que je donne le pain. Il y a une viande. Il avait goûté la viande. Amen. Et c'est ce qui nous montre ce Jésus. Amen. Jésus donne à ton pain, avec ça, ça c'est ma chair. Lorsque Jésus a élevé le pain, il a dit, ça c'est ma chair. Que Dieu bénisse. Amen. Mais quand vous voyez qui est Jésus dans Jean 6, lorsque Jésus est dans Jean 6, à partir du verset 31, à partir du verset 31, oh, et bien, sur le total, il s'en a nous, temps premier, n'a temps dernier. Là, je montre le temps premier et le temps dernier. Donc, année, il me là, je présente d'abord la première année et la deuxième année. Donc, le dernier parole est présent à Moïse. La façon dont la parole a été donnée à Moïse. Et la même manière que la parole se trouve dans Christ. Quand vraiment l'Éternel aura dit que n'a pas fait prévoir des cieux les pains. Dieu avait dit je ferai prévoir des cieux les pains. Il y a quand même un Israël qui m'a dit à Jésus. Maintenant écoutez ce que l'Israël dit à Jésus. Dans Jean 6, verset 31, je dis au nom de Jésus-Christ. Ah. Quel miracle fait-il donc lui dire-t-il afin que nous les voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Maintenant, tu vois, verset 31, Jean 6. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, parce que l'écriture les a absents. Ils ont pris cette écriture en sang. Il leur donna le pain du ciel à manger. Il n'y a aucune réponse à ça. Écoutez la réponse de Jésus. Dans verset 32. Verset 32, verset 32. Toujours la chance. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais verset 32, le Seigneur a dit, Dieu a dit à Moïse, vous donnerez du pain qui descendra du ciel. Jésus a dit non. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Il a dit Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. À qui s'y prie? Le vrai. Amen. Le pain est le vrai. Vous avez la madame? Amen. Au moins du mouvement, il s'est mis dans le mouvement qui s'est produit. Jésus a mis en hauteur. Jésus n'a pas accepté ce mouvement qui s'est produit dans la loi. Je voulais montrer quelque chose. Donc, dans le langage terrestre, le Seigneur a utilisé qui vraiment bâti. Le Seigneur avait utilisé les hommes. Père a justifié pour toi. Il a justifié aussi la personne. La commune juste. Une juste. Mais par rapport à Adam, il n'est pas juste. Ce qui a compris vraiment juste, c'est que.
juste, Jésus ne peut plus venir. Jésus a dit parce qu'il n'y avait pas un juste. Et Jésus dit sur la terre parce qu'il n'y avait pas de juste. Parce que Dieu cherchait un seul juste. Parce que Dieu cherchait un seul juste. Pour ouvrir la porte du jardin de Dieu. Pour ouvrir la porte du jardin de Dieu. Un seul juste. Un seul juste. Verset 35.
Dans un texte, on a expliqué que Dieu nous a bâti Adam, c'est tout un grain. J'ai pris ce texte pour expliquer lorsque Dieu avait pris Adam comme un grain. Et l'ingoloba, c'est tout un corps. La vérité, c'est tout un corps. Aux hommes, ma inna nakati. Et qui porte une âme. Et corps et tal, c'est un langage que sous une tente. Le corps, dans notre langage, c'est la tente. Et tal, ça va aussi. Et le même jour, on va tente, mais tabernacle. Tente ou encore tabernacle. Que Dieu bénisse. Verset 35, je viens au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sais, ne le prends point vite, s'il meurt. Donc, quand il nous comprend le corps, tu ne comprends ce corps. Elle va expliquer le corps. Elle va expliquer le corps. À quel directement entrer? Là, il touche le corps. Vous savez, la maman, hein? Vous comprenez? Donc, on a quand même créé, nous voulons la tente. Vous voyez dans les grains la tente. La tente. La tente. Donc, les tabernacles. Les tabernacles. Dans la tente. Et dans les grains. Il y a beaucoup de monde qui a fait la tabernacle, mais il y a encore bien fait la récolte. C'est pour comprendre. On prend des fruits. La fête des tabernacles. La fête des tentes. La fête des tabernacles, c'est la fête des récoltes. La fête des tentes. Amen. Donc, les grains qui tombent. Les grains qui tombent des fruits. C'est qui tu sais. Ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps qui lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Ah. Les corps sont donnés en 2 Corinthiens 5, corps basonné dans mon corps tente. Là, on présente le corps comme la tente. Dieu bénisse. Amen. Corps de Dieu, c'est la tente. Mon corps, on a adopté sa main à grain. Il réunit la tente au grain. Mais maintenant, la guérie, pour ton tabou, dans mon sabot, on a aussi comme un grain. Toi aussi, comme tu es là, tu es comme un grain. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, on a dans une tente. Tu es dans une tente. Vous l'avez dit, le Seigneur avait Adam dans ses pensées. De même manière que Dieu avait annoncé ses pensées, à condition la tente. Il a fait rentrer dans une tente. Cela veut dire que c'était une fête tente. C'était une fête tente. Amen. Est-ce que dans la Bible? Ah. Mais, il y a un mot qui est dans Lévitique 23. Lévitique 23. Parce que dans la fête de tabernacle par rapport à Israël. Parce qu'il y a la fête de tabernacle par rapport à Israël. Oui. Et qui viendra au temps. Mais ça, la fête de tabernacle par rapport à Adam premier. Voici la fête de tabernacle par rapport à Adam premier. Que Dieu bénisse. Amen. Fête au nom de Jésus expliqué dans Jean 7. C'est la fête que Jésus expliqué dans Jean 7. Fête, voilà. Dans cette fête, il n'était pas dans la fête. La fête de tabernacle est pas là. Mais la fête du tabernacle était à commencer. Voilà, non, par rapport à Adam. C'était par rapport à Adam. Et aussi la fête du tabernacle qui venait comme une union. Amen. Amen. Mais fête du tabernacle, nous faisons par rapport à premier Adam. Elle fait aussi le tabernacle. Dieu fait produit une semence. Dieu fait produit une semence. Il y a un moment dans la chasse. Pourquoi la chasse? La fête a commencé. La fête a commencé. Mais lui dit qu'il y a quelqu'un de là. Lui dit que je ne le ferai pas d'abord. Il a envoyé ses frères. Il a envoyé d'abord ses frères aller à la fête. Donc, à côté ici, ma prophète. Il a fait rentrer dans les prophètes dans les temples exercés d'abord. C'est un forme de crainte. C'est un forme de crainte. Amen. Mais lui-même était là dans les églises. Mais lui-même il était dans les églises. C'est tout le temps de la loi des prophètes. C'est tout le temps de la loi des puissants et des prophètes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Dans le fait que le Seigneur appelle ça Israël. Dans le fait que Dieu avait donné Israël. La fête, il a fait appeler cette fête. Il avait donné cette fête à Israël. D'abord, dans mon aîné, il y a la jour, vous voyez. Par rapport au jour. Sabbat. Le sabbat. Bazalak, on s'est reposé. On s'est reposé, il y avait le repos. On s'en a demandé. Donc, vous m'avez dit sabbat. Le sabbat. Il faut m'appeler. Il faut se reposer, on ne travaille pas. Mais sabbat, c'est ça qui va faire aussi. Mais Dieu a donné les fêtes. Amenez encore ma sabbat. Il avait. Le sabbat. Vous avez
Vous devez
que Dieu attend chez vous. Donc, à sa montée, il s'en est. Il est rentré. On va dire le premier jour. Au premier jour. Les gens qui étaient dans leur maison bien bâtie. Mais le premier jour, il faut pas tout bas du manabanda pour la maman. Le premier jour, les gens devaient d'abord quitter leur maison. Ils devaient d'abord se présenter. N'attendre. Au temple de l'Éternel. Tous. Le premier jour. Au premier jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le respectif verset 38. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, voilà verset 39. Quand vous récolterez le produit du pays, vous célébrerez dans une fête, donc une fête à l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos. Et le 8e jour sera un jour de repos. On se rend là, voilà. Donc, fêtez ça 7 jours. La fête, c'est 7 jours. Premier jour, le jour de repos. Le premier jour, le repos. 8e jour, 7 jours. Le 8e jour aussi. Mais pendant 7 jours, voilà, et pendant 7 jours, Sabbat va intervenir. Le Sabbat doit intervenir. Vous prendrez le premier jour du fruit de vos arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus, des sols de rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Donc, il dit que le mani. Cela veut dire quoi? Pour construire. Donc, ils sont leur maison habituée. Lorsque les fêtes de temps,
mais en secret. Cela veut dire qu'il utilisait des cordes. Cela veut dire ma corde, il y a ma Jérémie, ma corde, il y a ma Daniel, parce qu'ils étaient dans ta tente fragile. Cela veut dire qu'il utilisait des cordes des aïeux des prophètes parce qu'ils avaient des corps fragiles. Lorsque nous prêchons sur les faits de l'éternel, vous allez comprendre toutes ces choses. Vous aurez la malade. Vous suivez. Mais là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, vous serez maintenant à l'heure, mon cœur. Nadia, quand on a bon attaque ici. Il y a un bon monde qui s'en va tirer qui va là. Azara qui te confirme donc, mais ça va vous remettre. Azara qui te confirme. Il voulait juste confirmer que pendant le temps où vous allez aller dans la fête de ma tante, il va se faire. Pendant le temps où vous aurez une fête. Ah, on dit à tout à l'heure. Fête des années, premier jour. Et la fête c'est le premier jour, le deuxième jour, le quatrième. Cinquième, sixième, septième. Donc, tant qu'on est dans la maison durable, lorsqu'ils ont quitté la maison durable, la maison durable, ils ont laissé leur maison. Ils sont venus rentrer dans les tentes. Tant qu'on est dans la tente, ils sont rentrés dans les tentes. Avant, à côté de ma tante, pendant 7 jours. Ah, ils vont rester dans la tente pendant 7 jours. Mais le verset 38e. Le verset 38e. Et puis, c'est pas bon. Il dit ceci. Avant que vous aurez des défaites comme ceci. Il faut respecter le sabbat. Vous devez aussi respecter le sabbat. En pleine fête, la maman. Selon calendrier, samedi peut tomber la carte. Ça dit que ça, samedi peut tomber le 4e jour. Vous avez la parole. Oui, mais ça, samedi normal, on va perdre ma carte. Ça, c'est le samedi normal du repos. Mais on a trouvé, on avait la fête de la maman. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils ont trouvé cela dans leur fête. Le Seigneur a dit, vous devez les respecter. Le Seigneur a dit, vous devez les respecter. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Mais il faut voir tout simplement la grâce. Tu dois toujours avoir la grâce pour comprendre ces choses.
Mais que s'est passé? Que s'est passé? Il y a rassemblement na début. Au début, non? Il y a d'abord le rassemblement. Dans le temps, dans la tente des hommes. Lorsqu'il rentre dans le temps, dans la tente. Il y a quand il confirme à Bagué. Je lui confirme que. Quand Adam coué. Lorsque Adam était mort. Ils sont nés au coué. Tous en étaient tombés. Parce que. Nous avons reçu des fleurs. Nous avons reçu des fleurs.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Et par la grâce de Dieu, on continue à m'accompagner. C'est que je voyais mes aînés. Par la grâce de Dieu, les choses que nous comprenons, c'est tellement. Il y a beaucoup de choses. Amém.